bien bonjour à toutes et à tous, ici Grand83 aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de personnes. Bonjour. Bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui en creative mode et tout ça. C'est parce que on a décidé pour faire un petit break, parce que bon, on fait un petit break quand même, d'établir un petit projet donc de création d'une nouvelle arène. Donc l'arène sera toujours valide, celle-là sera une arène un peu différente. On va essayer de trouver un peu le concept et tout de comment on va se démerder. Une arène avec command block et d'autres. Donc on verra tout ça. D'abord, ce qu'on doit faire, c'est trouver l'emplacement. Donc on va essayer de trouver l'emplacement. Vas-y. Déjà, est-ce que tu verrais ça où, toi? Où est-ce que tu verrais ça? Je sais pas du tout. Mais pas au milieu de la forêt, peut-être, tu vois. On a prévu de faire une arène plutôt enfermée, plutôt pas encore extérieure. En fait, c'est surtout Bibou qui a décidé. Bien sûr. Parce que c'est toujours elle qui choisit les choix comme ça. Exactement. Et les mauvais choix. Bon, faut qu'on trouve un terrain. Cut, boum. Voilà. Quoi, t'es tendu par ce truc? Hein? T'étais tendu parce que ça volait. C'est vrai, c'était dégueulasse. Bah, il y avait quand même plus de 1080. Donc, alors. Il faut qu'on trouve quelque chose de sympathique. On va trouver un alentour sympa. Il faut que ce soit grand parce que moi, je voulais faire une grande arène. Justement, donc là, à travers la montagne... Et l'arène, je voulais qu'il y ait des planques, des non-planques, des trucs sympathiques. Et... Hop. Ici, ça me semble pas mal. Je sais pas. Donc, on va pas finir tout ça. Donc, la construction principale de l'arène, de tout ce qui est décor... On sait pas trop comment on va faire ça, peut-être en timelapse, je sais pas trop comment on va voir. On verra. Éventuellement là il y a une surface assez grande et assez relativement. Ah plane. Ici c'est pas mal là ici. Ouais, c'est ce que je dis. C'est quoi déjà? Hop. Boum! D'accord. Je fais ça comme ça. Bon. C'est classe, t'empêche. C'est une sphère, en fait. Si je fais slash slash... C'est une sphère vide. Donc, on va le faire ici. Alors, comment on va faire? Je pense que pour la vidéo, on s'occupera surtout de tout ce qui est système, ou tout ce qui est mise en place du truc. Construction du truc... je sais pas. Je verrai ça, je me retrouve plus tard, à tout de suite. Et là t'es censé dire à tout de suite. Non, moi je suis mal poli. We'll be right back.
Re-tout le monde. Bah, re-tout le monde, ouais. Enfin... Ah, finis ta phrase, tu leur parles, mais il faut que tu finisses ta phrase. T'es sérieux, en plus. Il y a un re tout le monde ici, gros. Ah, c'est drôle, hein. Ouais, c'est drôle. Ah, c'est vachement drôle. Donc, on a avancé, on a fait tout ça. Bon, au final, c'est pas tant que ça quand on regarde bien, mais bon, c'est toujours ça. On n'a pas prévu de trop meubler le truc, donc je vous explique le fonctionnement de l'arène. On apparaîtra probablement dans les eaux de. Tu t'es trompé de bois ici. Tu m'as dit surtout que c'était les codes couleurs au début, donc. Attends, l'intérieur. Non, c'est une blague par contre. Oui, oui. Enfin, c'est pas une blague. Donc, vous apparaîtrez ici, sachant qu'il y aura une sélection d'équipe, la sélection d'équipe qui sera en fonction d'Agrar et Arenbor. Ce sera toujours comme ça pour les trucs. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Vous rentrez dans l'arène, vous ne pouvez plus rentrer dans votre zone safe. Vous rentrez, vous avez plusieurs choix. Soit la tour ici, soit le bunker ici. Le bunker. Que vous voyez, vous avez une petite vue pour votre arc et tout, et vice versa, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué de vous toucher. Vous avez la tour par ici, donc c'est symétrique de l'autre côté aussi, hein. Donc si quelqu'un vient vous déloger, il peut vous faire tomber, ça peut faire très mal. Et vous avez ici au centre qui va être fait, donc la Pokéball, non en fait, c'est vrai qu'on dirait une Pokéball, qui permet en fait de capturer, enfin pas de capturer, mais de capturer. C'est drôle, hein, c'est drôle de se moquer de l'autre, hein, hein ça, parce que j'ai cru que c'était une Pokéball, tout ça, Pokémon Go, mes couilles, ouais. Bref, voilà. Donc vous avez bien deviné, ici, c'est le camp Arenbor, qui est le camp... Pourri. Voilà. Ici, c'est le camp vert, donc le camp... D'Agrar. Qui est le meilleur dieu. Ouais, qui est le meilleur dieu de je sais pas. Et donc, voilà. En gros, voilà, je voulais dire ça tout à l'heure. Ici, à la place, il y aura soit une plaque de pression en bouton, je sais pas, qui en fait, ça va capter. Vous voyez, vous êtes dans cette zone. Hop, il y a un rainbow qui arrive. Hop, il faut que j'aille dans cette zone. Donc le but, c'est vraiment de défendre votre zone, ici, qui est un défenseur, parce que dès qu'il y a un rainbow qui arrive, si à partir du moment où il y aura un test fort en dessous qui captera la présence du joueur, là ici, il y aura une plaque de pression qui va s'apparaître et vous n'aurez plus qu'à vous mettre dessus. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire... Donc ça va déclencher la TNT ici. Ça va déclencher des TNT ici, ici. Ça va les brûler la gueule. Merci pour tes flèches depuis tout à l'heure. Ça va brûler la gueule des mecs ici. Donc c'est pour les faire se déloger. Et vice versa au niveau du bunker. Donc ça les forcera à se faire déloger. Et c'est là que ça mettra place au combat. Vice versa, ça marchera aussi de l'autre côté s'il y a pour un agrarien. C'est pour ça qu'il faudra toujours une défense ici. Si on est à plusieurs, au moins deux. Et s'il y a quelqu'un qui se planque ici, au moins il y aura toujours moyen de le déloger. Parce que les TNT ça fera dégâts. Et je pense pas qu'ils apprécieront beaucoup. Même si un mec sera un archer sur sa tour, ici, vous voyez qu'il pourra. Il pourra toujours tirer sur l'agrarien. Sur l'agrarien. Il pourra même pas tirer sur l'agrarien ici. Où il devrait se mettre ici, là il se fera propulser et ça va être compliqué. Pour l'archer, il finira par tomber. Donc une chute de 15 blocs, ça fera très mal. Merci pour tes flèches. et le bunker, c'est pareil, sauf que là, bah, va falloir se barrer. Et c'est là que ça va être comique. C'est parce que ça a bourriné les TNT, mais si vous êtes dans le bunker, c'est très mauvais signe pour vous, parce que ça risque de vouloir dire « Tu vas crever ». Voilà, tout simplement. Est-ce que je l'ai mis de l'autre côté ? Normalement oui. Voilà, donc ça va fonctionner comme ça. On fera ça en off, les circuits et tout. Je vais pas faire ça avec vous. Sinon, il y a aussi... Qu'est-ce qu'il va y avoir Bon, ça c'est le côté de l'arène, ça on s'en fout un peu. Bonjour. Bonjour. Oh, il y a la neige. Ici, il y a une neige. Donc, le principe sera le même. La dernière équipe qui restera sur le terrain. Donc ça va demander pas mal de redstone et tout, ça va demander pas mal de systèmes en redstone, mais je pense que ça va être c'est le premier gros système que je vais faire moi-même, disons, en fait, sans... Oh là là. Donc, sans trop m'informer... C'est bon, t'es vraiment obligé de dire oh là là. Mais bon. Et donc...
Tu m'expliques? Voilà, donc le but ça va être détruire l'équipe adverse. Et puis voilà, vous pourrez ensuite, ça va se conclure et vous pourrez donc se barrer. On verra comment ça va se passer. Je sais pas si je ferai un détecteur plutôt qui capte ou plutôt un truc qui va se passer, que ce sera plus simple ou... Ouais, je sais pas. Je sais qu'on a des joueurs qui sont pas très intelligents sur le jeu, donc on verra comment ça va se passer. Moi, je pense savoir comment je vais me débrouiller. Ouais. Ça ouvrira la porte en fonction de s'il reste de l'équipe en face ou pas. Voilà, voilà. Disais-je. C'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Donc on va faire un système tout ça en off. Avec Bibou, on va essayer de faire tout ça, ça va être comique. Et puis bah je vous retrouve plus tard du coup pour une vidéo. Enfin, pour la suite de la vidéo. Bye bye. Et puis je sais pas si on dit à tout de suite. Ouais, on dit à tout de suite. Allez, à tout de suite les gens. À tout de suite. Oh. J'entends. T'as moins de 2 cœurs. Il me manque des cœurs. Alors, re tout le monde. Bonjour. Nous avons tout fini, ça a mode coup parce que ça a bugué. Alors, je montre comment ça fonctionne. Avec Bibou, on se fait un game mode 0 tous les deux. On y va. Donc vous passez le portail, tout a été fait le système. Boum. Voyez, vous arrivez ici. Ensuite, ça vous fait arriver là au niveau du portail. Tu es dans quelle équipe toi? Bah du coup, on l'a mis chez les arènes bas temporairement. Donc vas-y, va chez les arènes bas. Oh, j'arrive. Tout le système n'est pas encore fini, on a encore oublié le système des TNT et tout ça. Donc là on s'équipe tranquille, vous voyez. On arrive dans une petite zone où on doit être équipé. Donc vous vous équipez tranquillement avec vos boules de neige, vos trucs comme ça. Vous arrivez ici, si vous voulez l'équipement c'est sur ça. Ensuite, hop, je veux sortir là. J'arrive, je vais te tuer. Ah, au secours. Viens, entraîne-toi à l'arc. Je m'entraîne à la boule de neige. T'as oublié de mettre ton plastron. Absolument pas, il est là. Je le vois pas, attends. Attends, j'enlève, j'enlève. Non, tu l'as pas mis. Ah oui, en effet, quand j'ai enlevé, il est disparu. Regarde. Oh. Donc vous voyez que le milieu n'a pas encore été fini, mais on a déjà fait les 3/4 du truc. Attends, oh, tu te calmes. Tu me déstabilises. C'est pas du jeu. Oh oh. Non mais par contre... Oh oh, oh. Vas-y, achève-moi, détruis-moi. Oh. Gros achèvement. Hein. Vous avez droit à une pomme en or. Une pomme en or, si tu veux l'utiliser, vas-y, prends-la, tu vas voir ce que ça va te faire. Attends. Ta pomme en or, tu la prends vite fait. Boum. Et boum, je deviens. Tu as pris plus de cœur, tu as des cœurs d'absorption et tu as été régène. Hop. J'ai été régène. Comme on est dans le milieu. Hop. Vas-y, tue-moi. Oh, oh. Vas-y, si, t'inquiète pas, c'est pour le test. Attends, vaudrait mieux que je te tue moi en fait, pour leur montrer, parce que c'est moi qui filme. Donc vous voyez que les deux portes sont fermées. Excuse-moi, Bibou. Hein. Hop. On arrive. On tue Bibou. Et là, vous allez voir que ma porte là-bas, c'est ouverte. C'est visible, c'est pareil de la même façon. Hein. T'avais des niveaux? J'ai 21 niveaux. Je te les redonnerai, attends. Donc hop, une fois que vous avez fini le combat, vous retournez dans votre base. Ah bon? Et vous passez par ici. Ça vous clear tout votre inventaire. Et vous pouvez partir. Sinon il y a un spectateur mode qui est ici. Et vous pouvez observer une partie de l'arène. Donc on a fait un cercle similaire au centre. Et voilà. Donc il y a encore des petits trucs à finir à faire. Des petits tests à finir. Mais sinon vous avez le gros de l'arène. Donc alors... Scoreboard, on peut enfin te changer d'équipe. Oui, merci. Join. Agrarien, Bibou. Voilà. Scoreboard. Players. Remove. Bibou. Mort. Hein? Voilà. Merci. Et du coup, c'est tout bon. Donc essaie de te mettre là-bas. Non, tu peux. Non, tu peux plus. Voilà, vu que t'es plus dans l'équipe. Et voilà, vous voyez que c'est vraiment
spécial aux équipes agrariennes Arenba, et c'est complet. Les systèmes de redstone, on va vous les montrer. Je te mets en game mode 3 aussi. Hop, vous voyez, donc c'est juste des tests forts comme ça. Donc là, vous arrivez, vous avez une cloque avec un test fort juste ici. Dès que vous vous approchez, hop, dès que vous approchez de celui-ci, hop, vous voyez que ça s'ouvre. Vous en rendez pas compte ici, ici c'est visible, c'est pareil pour les Arenba. Juste derrière, vous avez donc deux commandes blocs avec le title, etc., etc. Dans l'arène qui se trouve juste ici, vous voyez que l'art est fermé parce que y a pas d'Arenba. Enfin, il est ouvert parce qu'il n'y a pas d'Arenba. Donc ici, vous avez les commandes blocs tout simplement pour le spectateur, rien de très sorcier. Ici, c'est le, ici vous arrivez, dès que vous apparaissez ici, hop, ça vous fait vous téléporter. Hop, ici, vous avez tout ce qui vous donne vos équipements. Ici, vous avez tout ce qui... le test fort, donc visible avec les hoppers actuellement, donc avec une petite fil de redstone unique, test fort qui marche, avec la porte. C'est exactement le même de l'autre côté. Et puis donc ici il y aura encore des tests forts pour pouvoir faire justement le petit idée avec le TNT que je vous avais dit. Et le seul, sinon vous avez aussi le TP et le clear juste derrière ici. Voilà. Donc pour tout ce qui est technique, vous avez globalement l'image. Il n'y a rien de très sorcier. En fait, il manque encore un petit truc, mais c'est pas fini. Mais on vous le montrera une fois que ce sera à l'œuvre. J'espère qu'on arrivera à trouver 2-3 joueurs, qu'on puisse se faire un petit 2v2 ou voire 3v3 si on a un peu de chance. Si les gens sont là, parce que si les gens sont là, c'est vrai que c'est assez rare. En ce moment, pour Clemtis et GIGN, Clemtis il se branle les couilles et GIGN qui se branle la couille gauche. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce que tu avais à dire quelque chose? Absolument pas. Donc un petit mot pour la fin? Oh non. Je sais pas. Je vais t'imiter, mais je sais pas ce que tu dis en fait. Moi je sais ce que je vais dire. À bientôt tout le monde. Pédo nazio. Pédo nazio. Nécrophilie. À toi. Bah j'ai dit hein. C'était quoi ton mot? C'était... non, c'était deux mots, du coup, c'est « à bientôt ». C'était deux mots. Donc tu dis un mot. Bientôt. Bientôt. Bientôt quoi, le pédonazio nécrophile. Et oui, bientôt sur vos écrans. Exactement. Donc voilà. Ben voilà, c'est tout. tout donc merci Jean d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu, merci Bibou d'avoir participé comme d'habitude à la vidéo. Et bah oui, heureusement qu'il y a moi. Attends, bouge pas, non reviens. Je suis juste là. T'es où? Je suis en face de toi là. Bah t'es en game mode 0? Ouais. Ah oui t'es là. Bye et à la prochaine, merci. Au revoir.